Je voulais commencer par avoir un mot de pensée pour celles et ceux qui ont été frappés par l'explosion qui s'est passée il y a à peine quelques heures à Paris. Nous n'avons pas toutes les informations, mais évidemment tous les services du ministère de l'Intérieur aux côtés de la ville sont aux côtés des victimes suite à cette explosion. Je serai très prudent sur les mots ici, mais je veux avoir évidemment un mot pour toutes les victimes, les familles qui vivent en ce moment même dans l'angoisse, la grande difficulté au moment où le bilan n'est pas stabilisé, et remercier une fois encore les services de secours qui se sont mobilisés.